Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du dimanche 29 janvier 2023. Donc on va passer tout de suite aux cartes météo. Alors, on est actuellement sous l'influence d'un anticyclone et il va falloir faire avec pour un bon moment, comme on le verra ce soir dans le bulletin de prévision à long terme. On a donc une dépression de... Un anticyclone de 1035 hectopascal qui euh, clairement nous protège donc de euh, des dépressions. Vous voyez, même les géopotentiels en altitude sont de plus en plus jaunes et orangés. Vous voyez, et ça, ça croît même. Euh, donc ça veut dire que l'anticyclone gagne même en puissance en altitude. Là, vous voyez, à la citation euh, le 30 janvier à 0 heure, on est vraiment euh, là de plus en plus sous l'influence de cette. Anticyclone ce matin. Comment cela se traduit ben Cela se traduit qu'il n'y a quasiment aucune précipitation. La carte est vierge. Voilà, il n'y a rien à dire. Ce matin, c'est vraiment une carte vierge. RAS de ce côté-là. La nébulosité. Alors, la nébulosité, comme on peut le voir, nous sommes ce matin. Il y a pas mal de. Le ciel est clair. Pas mal d'éclaircies. Euh, à part sur le nord-ouest et sur le massif central et sur les Pyrénées, on a partout ailleurs clairement un temps très très clair. Alors, les nuages, il ben, n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, c'est la bonne nouvelle du jour hein, c'est que euh, c'est la première fois depuis un moment, hein, depuis euh, ouais, au moins une dizaine de jours qu'on voit pas une carte comme ça, quasiment euh, sans nuages. Le vent, eh ben, lui aussi, ça s'est calmé. <laughs> On a quasiment plus de vent euh, nulle part. C'est vraiment euh, un temps très très calme là ce matin que je vous présente. Une carte, des cartes vraiment exceptionnellement calme. Alors le vent, alors bon hier il y a eu encore pas mal de vent. Mais vous voyez ça tombe aussi vite. Hein, vous voyez on, on a les, le top 5, il est entre 70 et 110. Euh, donc il y a des rafales isolées à Perpignan. 70, 74 à le 4 dans l'Aude. mont égale 85. Dans le Gard, à Porto Vecchio 91, et au Cap Béarn, dans les Pyrénées-Orientales 110 à l'heure. Mais on voit quand même que le vent aussi, ça s'est pas mal calmé. Les, prises, les températures maximales. Bah, on voit que les températures maximales vont de 11,8 à Antibes, Cogola 11,9, Antibes, Golf, Jean encore une deuxième station 11,9, Alistro dans les Corses 12,2. 12,7 à Ajaccio, Bon hier après-midi, il a quand même fait maximum 12-13 degrés. C'est pas non plus euh, folichon, folichon. Hein, euh, euh, il faut les trouver la douceur quand même. Donc, les températures quand même assez basses. Et si on va dans des stations euh, pas trop hautes. Alors j'essaie d'en trouver une. Et j'avoue que j'ai un peu de mal. Alors attendez, on arrive. Oh là là, je ne vais pas en trouver une, hein, vous savez, hein, c'est compliqué là de trouver des fois des 525 mètres. Bon, dans le Rhône, 0,4 de maximum. Hein. Sinon, les températures minimum, comme on peut le voir. Donc, du matin. Donc, hier matin, 7,8 à Bastia, 7 à port Capsagro, Cap Sagro, 6,8, 6,7 à la pointe du Rat. et à Cabaret, 6,6. Donc, quand même, hier matin. Il y a quand même eu euh, aussi pareil, un temps euh, assez frais. Et regardez le, le nombre de moins que l'on voit. Hein. Il, y quand même, il y a quand même eu des fortes gelées euh, encore hier matin. Tiens, je tombe sur une station là, pas trop haute, à 427 mètres à Dauphin, dans les Alpes de Haute-Provence. Moins 5,7. Donc, des fortes gelées hier matin. La vigilance, bah, il n'y a quasiment plus rien. Ça témoigne du temps qui est en train de s'installer à part dans le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère où il y a un, du grand froid en vigilance jaune et dans les Hautes-Alpes, le avalanche, Alpes-de-Provence -Haute aussi, Alpes-Maritimes ailleurs et en Corse, on a un peu on a des avalanches aussi en Corse. On a quasiment un temps vraiment euh, très très calme sur la France. Ce matin, eh ben, il fait très très froid. Il fait très très froid, plus froid que les autres matins. De... là, on a une pointe vraiment euh, une de gel, comme on peut le voir, puisqu'il fait entre moins 4 et moins 3, même une fois à moins 6, est hein, à Charleville-Mézère, de moins 6 à moins 3 sur le nord-est, de moins 3 à 5 sur le nord, de moins 5, de, pardon, de 0 à 5 sur la Manche, de 2 à 7 sur la Bretagne, moins 3 à 0 en Ile-de-France, moins 2 à 0 en Bourgogne-Vauche, moins 2 à... À 4 sur Pays-de-Loire avec même une pointe à moins 3. Il fait 0 à Clermont-Ferrand, donc à 1 degré jusqu dans le massif central. De moins 3 à 0 dans le Poitou-Charente-Limousin. De moins 2 à 3 sur le Sud-Ouest. On a de moins 2 à 2 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, on trouve des températures très froides. Moins 4 à 4, vous voyez, il fait moins 4 à Marseille ce matin. C'est quand même... Euh... Quand je vous disais que la carte était froide, hein, ce matin, il fait vraiment très très froid. Hein. Et 0 à 7 sur l'accord. Donc un temps très très froid euh, ce matin. Alors maintenant, le temps d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir Donc on sent que. Euh, alors est-ce que est ton... ces conditions, j'allais dire très claires, vont persister aujourd'hui et là, on a l'impression que oui, euh, on a l'impression que le temps va être assez ensoleillé aujourd'hui, hein, comme on peut le voir, avec une carte vraiment euh, très 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 euh, dégagée. Et sur le nord-ouest, vous voyez, là, il y a une descente euh, de nuages. Euh, donc la moitié nord demain matin serait sous les nuages et la moitié sud encore sous le soleil. Et on a la progression de ces nuages du nord vers le sud. Ensuite, les précipitations. Alors tout de suite, on va regarder le cumul de ces précipitations. Parce que ce qui est, ce qui est intéressant, d'ici lundi soir, puisqu'on fait deux jours, voilà, donc on a une nouvelle carte pour vous donner les précipitations sur les deux prochains jours. Et comme vous pouvez le voir, ça reste vraiment marginal. Mis à part sur l'Alsace de 1 à 2 mm, le reste, c'est vraiment du 0 mm partout, partout, partout. Donc on a vraiment... Une France qui est quasiment sans précipitation. Alors on va quand même regarder un peu le détail. Donc quelques toutes petites pluies donc lundi matin. Euh, puisque aujourd'hui il n'y en aura pas. Je vais réactualiser la carte. Mais euh, je n'ai pas vu de pluie aujourd'hui. Voilà vous voyez aujourd'hui aucune pluie sur la France. Et on a un petit front qui arrive demain dans la nuit. Demain matin. Donc lundi dans, vers euh, entre 2, 0h et 6h avec des toutes petites pluies mais vraiment euh, c'est des pluies atténuées comme vous pouvez le voir. Donc là, on a euh, un peu de neige et de pluie verglaçante sur euh, l'Alsace mais ça reste vraiment marginal. Visiblement, c'est quand même des petites euh, plus. Alors, on va regarder là-dessus sur euh, ce radar là ce que ça donne. Ah oui, le cumul, le cumul des pluies n'avait pas l'air euh, si important que ça. Alors, euh, vous voyez, c'est des petites pluies quand même, mais bon, il pleut quand même. Il va falloir quand même le mentionner avec des petits risques de neige sur l'Alsace, mais sinon, ça reste quand même très très faible. Hein. Mais bon, il y a une possibilité quand même, donc il va falloir le mentionner. Plus faible lundi, mais aujourd'hui rien. Hein. Donc aujourd'hui, ça va être un temps assez ensoleillé et demain, euh, plus couvert et avec quelques pluies faibles quand même. Hein, si on, re on retourne en arrière sur l'animation. La voilà, vous voyez, aujourd'hui, rien du tout, quasiment rien. Et demain, arriver ces petites précipitations. Voilà, bon, on l'a vu avec la carte de tout à l'heure. Donc on ne va pas trop s'attarder. Quelques petites... Toutes petites pluies demain, aujourd'hui rien. Alors, est-ce que ça se transforme, tout ça, en neige Alors, ben, regardons, et qu'est-ce que l'on voit Eh ben, on voit finalement qu'il n'y ben, a pas grand-chose au niveau de la neige. Hein, C'est vraiment quelques petits flocons sur le massif central, sur les Pyrénées, mais RAS de ce côté-là. Alors, maintenant, on va parler euh, de... des températures... Donc voilà, ce matin, une France qui est fraîche. Oui, il fait froid ce matin, euh, puisque sur la station, moi bon, j'ai euh, quasiment moins 1. Donc euh, ce matin, j'avais dit hein, que les gelées seraient plus sévères. Et c'est le cas. Hein. On a vraiment une, une France qui est complètement euh, bleue, avec des fortes gelées en Alsace, sur le nord-est. Donc du côté de Charleville-Mézières, le fameux moins 6, bah, il est là. Le massif central. Euh, en Bourgogne aussi, il y a des pointes de gelées, assez euh, importante, donc dans l'après-midi le, le temps va bien se réchauffer quand même relativement, même si on reste toujours en dessous des normales, bah, vous voyez que euh, on est à 2-3 degrés hein, cet après-midi en, en Ile-de-France ça va pas être euh, ça va pas être folichon-folichon hein, les températures et dans le nord-est et l'est ça va rester encore très 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 frais avec 0 degré on a aussi euh, donc euh, ailleurs ben, sur le massif central, pyrénées orientales et, et les Alpes évidemment encore un temps très frais Partout ailleurs, un temps, on va dire, un petit peu au-dessus de 0, 3, 4, 5 degrés, mais enfin, on reste quand même sous les normales pour aujourd'hui, demain matin. Donc, demain matin, bah, euh, on voit clairement matérialiser hein, ce petit front qui descend, puisqu'on le voit au niveau des températures. On, on voit que sur le gr grand petit quart nord-ouest, on va dire, donc, Île-de-France euh, comprise, on a. Euh, Clairement là, un relatif redout par rapport à aujourd'hui. On sera quand même à 1, 2, 3 degrés, donc ça va, ça va être des températures de saison pour le matin. Le long des côtes de la Manche et de la Bretagne, donc là c'est et les côtes du Nord, une relative douceur par rapport au reste du pays qui sera lié pour les trois quarts plongé toujours dans des gelées assez importantes, notamment donc sur, toujours sur l'est. Aussi relativement sur le, une petite euh, moitié sud-ouest, voyez, hein, sur la Gironde, le euh, la, côté du bassin d'Arcachon, là, nous, nous, on a, là, on va avoir des zones aussi de, de gel euh, plus prononcées dans, en Bourgogne également, l'arrière-pays provençal, le couloir du Rhône, euh, et de façon générale bon, sur le massif central, mais aussi sur les départements qui qui le contournent, donc j'allais dire l'Aveyron le Cantal, ce genre de pays, enfin, le Cantal c'est euh, le lot, je voulais dire, parce que le Cantal c'est euh, quand même carrément dans, euh, <laughs> dans le massif central. Voilà, donc un temps très froid demain, et j'ai oublié de faire les températures de l'après-midi. Alors on va revenir sur la carte euh, de demain. Euh, donc demain après-midi, regardez, donc là on l'a vu, et demain après-midi, le temps va se réchauffer de nouveau. Comme un peu comme aujourd'hui, mais, mais même plus, puisque vous voyez que on a de carrément du jaune qui apparaît sur la pointe de Bretagne et même en île-de-France, où on va euh, là, il va y avoir une, 8, euh, ouais, 8 degrés en île-de-France peut-être. Donc on va être de saison à peu près. Euh, on retrouve des températures de saison le long de l'arc méditerranéen aussi, le long de la façade atlantique. Là, le temps se réchauffe, se radoucit un petit peu, on va dire, et euh, surtout dans l'est, on a toujours là par contre des poches froides en Bourgogne aussi également. Voilà. De, de, Quelles euh, qu sont les températures Maintenant, on va passer aux rafales devant. mais je crains qu'il ne se passe pas grand chose euh, là dessous C'est le cas de le dire. Euh, regardez, on n'a pas grand chose, grand chose. À... On n'a pas grand chose, grand chose. À... Ah, on n'a même pas de, de, de orange aujourd'hui. Donc, le temps va être très calme au niveau des rafales devant. Quelques petites rafales devant à 60 sur le col rhodanien et les Pyrénées Orientales, mais sinon, ça reste. Très, très très calme et demain on a le temps qui est un petit peu plus euh, venteux ah, par contre demain oui euh, qui se, se sans doute un hein, lié je pense je j'avance peut-être mais au front qui avance ça doit peut-être partir enfin je sais pas non je dis peut-être une bêtise je pense pas que ça soit lié à ça mais enfin en tout cas demain le vent va va, va se lever euh, avec donc euh, bah, l'arrivée du Mistral hein, de par le couloir rhodanien avec des rafales à 60 ici euh, sur les Pyrénées orientales et sur le nord le vent est un peu plus sensible comme on peut le voir mais bon, enfin ça reste vert. Par contre euh, demain soir regardez euh, le, massif, le massif central le Mistral <laughs> va se réveiller euh, là vraiment avec des rafales à 80-90 donc de, les gens qui habitent euh, le couloir rhodanien là ça va pas être marrant là vous allez avoir beaucoup 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 de vent et aussi du côté de, euh, des Pyrénées orientales. Voili, voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour le ressenti dehors. Merci de m'avoir écouté. Allez, à plus. Voilà, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Euh, le soleil n'est pas levé puisqu'il est 8h. Donc c'est vraiment là les premières euh, couleurs de ce dimanche. Alors le temps comment il est bah, Comme vous pouvez le voir il est très clair, le ciel est dégagé, on a vraiment un ciel bleu ce matin et donc euh, bah, clairement euh, un temps aussi euh, assez froid puisqu'il fait actuellement moins 4 degrés là où je suis donc il fait vraiment très froid mais on ne le ressent pas trop parce qu'on a vraiment euh, pas beaucoup de vent. Voilà donc un temps très clair euh, mais froid glacial. Mais pas de vent, donc euh, des belles couleurs et un temps bien hivernal, en tout cas aujourd'hui. Allez, merci, on se retrouve pour un nouveau point et ce soir pour le bulletin de prévision à long terme.